Hey yo les gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite de notre MMORPG. Alors je tourne à la suite, pour ceux qui ont regardé la première vidéo, je vous invite à aller cliquer sur le petit i qui est juste au-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça ferait toujours plaisir. Moi je reprends là où je vous ai laissé, parce que tout le monde fait, j'ai pas quitté le jeu, j'attendais juste de finir ma vidéo précédente. Donc piste 1, piste 2. Voilà, donc on se retrouve avec mon Templier. Donc on avait fait le didacticiel, le prologue début. Donc on a appris un peu comment tout utiliser les touches, tout ça machin. Donc on s'est réveillé dans notre chambre et on va continuer. C'est parti. Alors, ce que je trouve magnifique sur ces jeux-là, c'est qu'il y a un peu comme à la Skyrim, vous savez, il y a toujours un truc qui vous présente la zone en fait, et c'est vraiment sympa parce que c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça. Quand vous arrivez dans une zone, ils mettent pouf le titre en gros des fois, et c'est fait dégueulasse. Que là, ils mettent le titre plus un global de la zone, et ça c'est cool, ça c'est très sympa. Ah oui, c'est vrai, faut pas courir et marcher en même temps. Alors la mamotte, vient debout, il n'y a rien. Ok, attends, tu devrais t'occuper des flammes blanches aujourd'hui, tu te rappelles. Je l'ai fait pour toi, mais il reste encore une. Allez, en haut, je te suis. Alors bon, au début, c'est surtout le didacticiel encore, hein, c'est encore un peu le prologue. C'est vrai que c'est plutôt sympa, surtout pour un graphisme de jeu comme ça. C'est vrai que ça peut être très cool. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, alors entre parenthèses, hein, beaucoup, parce que c'est surtout du Black Ops ou du Fortnite ou des trucs comme ça que vous aimez bien. Mais c'est vrai que de revenir un peu sur les MMORPG, parce qu'on en a beaucoup sur téléphone. Normalement, je voulais vous faire du Fallout 4 parce que 76 c'est pas possible. Je voulais au début vous en faire et. Ah oui, c'est vrai, il faut laisser la touche. Et le truc, c'est que Fallout 76, c'est que vu que c'est des serveurs et que j'ai déjà fait plusieurs parties moi dessus, le truc c'est qu'il y a beaucoup trop eu de mise à jour pour recommencer quoi que ce soit en fait. C'est trop compliqué en fait. Et avec les nouveaux monstres, les nouveaux boss, les machins, c'est trop chiant. Donc je préfère vous m'atteler à un nouveau MMO. À recommencer un MMORPG. Oh, par contre, le bot il se téléporte. Hein. Ok, donc en plus de ça, il y a les petits titres. La map est en plus, elle est superbe. La map est superbe. Ça fait plaisir de voir un MMORPG très classe en plus. Or j'avais déjà joué moi celui-là, j'étais niveau 13, sauf que j'ai arrêté le MMO. Je crois bien qu'à un moment donné, pour continuer, ça devient compliqué. Mais là, sauf que là, vu que je suis en vidéo, j'ai envie de pousser le jeu à son maximum. Je sais pas s'il y a d'autres joueurs, je l'ai dit dans la vidéo précédente, donc dans celle de mardi. Donc vous me direz en commentaire si ça vous intéresserait de jouer avec moi ou quoi que ce soit. Mais voilà, je crois bien qu'au début, il n'y a pas grand monde qu'on croise. Alors moi, je regarde toujours mon écran parce que vous allez me dire, mais pourquoi tu regardes pas ton écran? Alors, si je regarde mon écran, le souci c'est qu'en fait, moi j'ai des lags au niveau du receveur. Sauf que quand je tourne la vidéo, alors des fois quand ça tourne trop longtemps, ça bug. Et je l'ai remarqué, c'est que ça frisait ou quoi que ce soit. Donc voilà.
Eh merde, c'est vrai que je me trompe de touche. C'est okay. Des petits papiers comme ça. C'est sympa. Alors je le lis pas à haute voix, mais voilà, je vous laisse le temps de lire. Et alors, c'est vrai que tout à l'heure je l'ai passé rapidement, mais voilà, quand c'est trop long, c'est chiant. Donc surtout qu'au début, c'est surtout du plat. Donc je préfère avancer. Don Diego, alors... alors... Pour ceux qui ont joué à... à Assassin's Creed Ezio, Ezio Auditore, c'est tout à fait son oncle. C'est tout à fait son oncle. Maintenant que... Parce que j'ai rejoué à Assassin's Creed Ezio Auditore. Pour ceux qui connaissent un peu, dans les premiers et dans le 2, bon, dans le 2, voilà, il se fait tuer, machin. Mais dans le premier, on a, voilà, on le voit souvent. Et c'est vrai que là, j'ai pas envie de me manger la poire, mais il ressemble. Don Diego, en plus, je sais plus son nom. Si je peux retrouver le nom du gars qui lui ressemble sur Assassin's Creed Ezio. Je vous le mettrai, mais là, c'est vrai que il ressemble beaucoup. Ok, passe la vitesse supérieure, mon pote. Ok. Niveau 2, attaque et vitesse. Alors ce qui est un peu dommage dans les MMORPG, comme dans tout jeu, c'est que on voit les écritures, mais il n'y a pas les dialogues. Ça c'est un peu dommage. Ils pourraient mettre les dialogues. Après je sais pas, je pense que ça doit coûter pas mal. Déjà de créer un jeu comme ça, ça doit être pas mal. Mais c'est vrai que ça doit être très très long. Alors, ok, nul point. Prendre la peau. D'accord, ok. Super. Juste ça. Tu te fous de moi? Non, c'est une blague, c'est pas possible. Alors, j'évite de trop courir vite, parce qu'au début, voilà. Mais, récupérer l'orbe. Ok. Ah, il y a plusieurs petits... Il y en a combien? Bon, ok. C'est un peu dommage de pas avoir de dialogue. On les voit. Et y a pas. Thank you.
c'est quand même... Le jeu est quand même ouf, hein, quand même bien fait, machin. Au niveau des graphismes. L'eau, avec l'eau. On se croirait vraiment sur un... Sur un Assassin's Creed, j'allais dire. Mais ouais, c'est clairement un Assassin's Creed. Clairement, les graphismes, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau. Clairement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Putain, cours vite. Non, c'est moi en premier. Attends. Putain, c'est magnifique. J'avais oublié que c'était magnifique. Un jeu comme ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde qui se remet à ces jeux-là. On va me dire, ouais, mais beaucoup de personnes les ont terminés. C'est vrai. Mais des jeux comme ça, comme dirait l'autre, ça ne se termine pas. Les MMORPG, la plupart du temps, ça a des durées tellement longues que... C'est pas comme, par exemple, un jeu qui va vous sortir... par exemple, je fais allusion à Sword Art Online, un jeu qui est un peu comme un MMORPG. Sauf que le souci, c'est qu'il n'y a pas de durée longtemps en fait. Il n'y a pas des mises à jour où il y a toujours des mises à jour, mais il n'y aura pas des events. Là, sur des jeux comme ça, il y aura toujours des événements, même si les serveurs sont de moins en moins remplis. Mais il y aura toujours des personnes pour s'amuser. Et ça, c'est cool. Your day of choosing approaches. Buck, il y a Buck de. Ils sont magnifiques hein, quand même. Des bêtes comme ça, c'est vraiment. Surtout les graphismes, hein, que ça soit les pattes ou quoi que ce soit. Je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus si c'est le chemin. Je sais plus le nom, mais. C'est magnifique comme bête. C'est dommage que ça existe pas vraiment, mais bon. On va dire qu'il y aurait peut-être plus de morts qu'autre chose. Alors, pour ceux qui ont regardé la première vidéo, vous savez qui c'est. Le gros méchant loup. Gideon. Alors, on va passer la cinématique. Alors bien sûr, c'est pas comme dans les autres MMORPG, vous avez là par exemple la possibilité de gagner des niveaux en tuant des bébêtes, ça c'est cool. Oh.
surprise et... Oh là, mais je suis pas beau là, lui. La caméra... Hey, are you all right? Thank Telios, you're alive. Wait, what happened to Priest Mia? Where is she? Another voice joins our chorus of death. Allez, Buck. Ah bah, ma tour, je l'avais reconstruit. Ouais, je sais viser, tiens. Un jeu comme ça, ça peut être pas mal d'être avec des potes. Alors, y a des zones, bien sûr, vous êtes tout seul, comme le début là. Mais c'est vrai que bah, sur la suite, si vous êtes avec plusieurs potes ou quoi que ce soit, si par exemple il y a un qui est mage, l'autre qui est archer, l'autre qui est machin, l'autre qui est machin, là par exemple je suis templier, s'il y en a un qui est berserker, l'autre il est mage, l'autre machin. C'est toujours intéressant parce qu'au moins bah, l'un peut guérir, l'autre peut faire machin, l'autre peut faire machin, et vous pouvez avancer ensemble. Alors bien sûr, il y a certaines quêtes, bien sûr, certaines personnes, je crois bien qu'ils sont pas tous identiques, mais au moins, ça peut être intéressant. Et normalement, la plupart, la mission principale, c'est la même chose. Donc, voilà, je sais pas, faut pas être mangeur de points, mais voilà. Donc voilà. Ok. Collection. Quoi? C'est quoi ça? Nouveau départ. Ok. Calendrier du. Récompense numéro 1. Ok. Et je t'ai pas demandé de faire quoi que ce soit. Ferme. Ok, alors attendez, je potion. Ok. Quoi, il y a un gros point. Ok, il n'y en a plus. Épreuve titre. Ok. Ok, il y a des... Je me rappelais même pas qu'il y avait des trucs comme ça. Mise en relation, c'est quoi ça? Ah, ça c'est... Ouais, d'accord. Compétences, ok. Alors, on est où, là? Ah, oui. Alors j'aime bien parce que alors il nous a déposé avec notre ouais, y a plus personne qui je pense qu'il y a plus personne qui joue ferme de Marco. Bah oui, ah bah c'est Marco son nom À part si je sais pas s'il y a encore des joueurs qui jouent à ce jeu. OK. Donc on a on a du courrier, alors j'irai voir juste en dessous, il est juste en dessous. Okay. Alors je regarde un peu à droite à gauche, j'essaie de reprendre mes marques. Alors bien sûr je vais pas vous laisser
parce que bon, la première vidéo a été très courte. Celle-là, on va aller jusqu'à minimum. On va peut-être un peu avancer quand même. Ok. Attendez, il y a un coffre là ? Ah mais ça doit être un coffre... Ah non. C'est quoi ? De l'eau ? De l'eau ? Ok, rien de particulier, c'est juste un morceau de sac. Maman. Parler à... Ok. J'aime bien parce que le début c'est surtout des dialogues et puis après c'est des trucs, bon il y aura toujours des dialogues mais ok. Yes. Ok Griffon, vous pouvez chevaucher le gravement blessé. Gna 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 gna. Ok. Je savais pas qu'on pouvait le guérir, le Griffon. Ou griffe. Ok. Ah, attendez, par contre, ouais. Voyons voir, on a du courrier. Attendez, parce que là... Avec tout le bordel qu'on récupère... Carte de compétences... Carte des Eldans... dispose de plusieurs menus... c'est quoi ça ? De chauves-souris... Ok, alors je pense que ça doit être un rajout... Carte des Eldans, chauves-souris... Ok... Vous avez la carte de... Ok... Nous avons une petite choupe... Ok... Et normalement, ouais, la garde-robe, là, par exemple, vous pouvez... Ah, un pigeon. Oh, par contre, elles sont horribles, les ailes de chauve-souris. On dirait un vieux Dracula. C'est horrible. C'est horrible. Alors, attendez, parce que je sais qu'il y a des... Là, c'est des quêtes qui peuvent être faites en même temps. Donc, faut pas hésiter à... D'accord. Sérieux, faut les nourrir tous. Non, t'es sérieux, faut tous les nourrir. Non. Ah non, d'accord, ok. Ok, d'accord. Oh, ça a été vite vu. Récolter des meilleurs sauvages. Okay. Des loups. Non. Élimine 4 loups. Oh, ça peut se faire. Je suis des épaulières, donc bah ouais, mais je suis pas niveau 3, donc bah, on l'a dans le huc, comme dirait le capo. Pourquoi j'ai toujours un truc rouge là, moi? Ah, d'accord, ok. Ça fait 30 minutes que je joue. Ok, alors, voyons voir.
épaulière. J'ai eu des épaulières, mais j'ai eu des jambières. Ouais, mais laissez-moi le temps de les installer au moins. Ok, alors là, 41, 37. Ok, bon. Et puis voilà, c'est consommable, donc... Ok, bon, on commence à avoir une petite tenue. Bon, bah tiens. I'm going to leave this place someday. Ok. I'll have your back. Ah, d'accord. En fait, c'est celui qui nous a sauvés qui est mort. Oh bah punaise. On l'aura pas vu longtemps. Il aura fait plus longtemps qu'un épisode sur Assassin's Creed, hein, j'ai envie de vous dire. Ok, oui. Alors, oui. Ok. Putain. À chaque fois, je me trompe, en fait, j'appuie sur A pour, donc, pour esquive. Sauf que c'est pas A, mais c'est X. There's gotta be a way. Ouais, ils vont arrêter de se disputer. Ok, bon bah les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. Moi je continue un peu, au moins pour aller à la prochaine ville. J'ai pas envie de vous faire le premier tutoriel du long en large. Je voudrais avoir au moins un peu de tenue au minimum. Ou que quoi. Oh non, non non. On reprendra la prochaine fois en vidéo, ensemble, au même endroit. Hein, parce que c'est pas le tout, mais bon, à un moment donné, faut s'amuser un peu. Donc, prochaine vidéo, il n'y aura pas non plus, il n'y aura pas tout le temps du MMORPG. Je vais vous faire d'autres vidéos, comme du Fortnite ou des trucs comme ça. Alors, Fortnite, pour le moment, j'ai pas retrouvé de code, parce que, bah, vu que c'était, voilà. Voilà. Je vous passe une bonne soirée. Là, ce week-end, je sais pas si je pourrais tourner une vidéo. Parce que ben j'ai des trucs de prévu, donc j'espère que tout ira bien de votre côté. Passez une bonne journée, merci encore, et on se dit à la prochaine les gens, c'était Drake Survie. Peace.